Hey yo yo yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour essayer un tout petit peu de donner tout simplement mon avis, dépendamment de l'analyse que j'aurai à faire entre deux albums de l'artiste héritier Watanabe, monsieur le chanteur. Eh ben à savoir, dans son actif, héritier Watanabe compte deux albums, Retirada, Carrière d'honneur, ainsi que Mi ange, mi demon, tout simplement moi. Avant de mettre mon avis sur ces deux albums, un après l'autre, bien évidemment, à savoir Family, l'artiste héritier Watanabe nous a proposé Carrière d'honneur, Retirada, volume 1 ainsi que volume 2 en 2016, en intégrant bien sûr le label de l'ivoirien monsieur David Monceau Obo Music. Depuis 2016 jusqu'à nos jours, il poursuit son bon bout de chemin tout en faisant sa carrière solo dans ses labels de monsieur David Monceau. Bien évidemment, dans cet album Carrière d'honneur Retirada, on retrouvera deux volumes, chacun portera 11 titres. Dans Retirada, Carrière d'honneur, un générique normal. Un générique, c'est une chanson dansante dont l'animation est conduite par deux atalakou, des animateurs comme on les appelle. Eh ben écoutez, on retrouvera également des titres tels que Bernadette Massengo BM, des titres tels que DDD tout en noir, J'aime mon mari, Je suis jeune, Je suis Wata. Il y a tellement de titres dans cet album. Carrière d'honneur Retirada fut le premier album de l'artiste musicien héritier Watanabe de sa carrière solo, déjà mis à la disposition de son public, j'ai envie de dire, en 2016. Ce que vous devriez retenir en ce qui concerne cet album est que c'est fut un album 100% rumba, j'ai envie de dire. Bon ben, on a trouvé 2-3 chansons avec des sonorités beaucoup plus ouvertes, j'ai envie de dire, mais ça reste un album 100% rumba, j'ai envie de dire. L'album Retirada Carrière d'honneur a permis à l'artiste de bien s'affirmer dans le milieu musical congolais qu'il connaît très bien et qu'il maîtrise à la perfection depuis l'époque où il faisait encore partie du Wenge Musica Maisome de Weranson. Bien évidemment, cet album a permis également à l'artiste de s'émouvoir à travers l'Afrique dans telle ou telle autre production, ainsi que à réaliser un concert malheureusement loupé, j'ai envie de dire, au niveau de la France. Écoutez, le rendement de cet album a été pas mal du tout. C'est un album apprécié, adulé, qui a pu se faire une place, on va dire, dans le milieu musical congolais. Au jour d'aujourd'hui, l'artiste héritier Watanabe est cité parmi les artistes qui font la fierté et qui exportent la musique congolaise sur le plan international. Family, ce que vous devrez savoir, Family, est que quand bien même cet album a été 100% rumba, mais ça reste un album de plus apprécié, on va dire, avec ses chansons qui ont bercé carrément tout le monde, qui ont pu faire la différence avec tel ou tel autre rumba proposé par quelques artistes congolais. Donc voilà, je vous invite d'ailleurs, Family, à aller également jeter un œil sur cette vidéo qui apparaîtra juste là dans le subjection pour connaître et découvrir le portrait qui a été réalisé par moi dans l'une de mes vidéos déjà disponible sur ma chaîne qui s'affichera sur le i. Je me répète encore une fois pour que vous alliez également faire un tour, ce sera quelque chose de bien. Cet album a réussi quelques critiques, j'ai envie de dire, que ce soit positive ou négative. Et ben écoutez, tout compte fait, il a connu un succès. Je dirais pas que c'est l'essentiel, mais tant de personnes ont aimé, ont apprécié le travail réalisé par héritier Watanabe, l'artiste, ainsi que toute son équipe et son label. Bien évidemment, juste après cet album, l'artiste a préféré attendre pendant plus ou moins 4 ans pour nous revenir en 2020 avec l'album Mi ange, mi démon, qui comporte 14 titres en son sein. On comptera Fantôme, Mi ange, mi démon, Seed Boy, Mon soleil et que sais-je encore sont là d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, mes coups de cœur aussi, ainsi que Maman Paradis feat avec Reddy Amici. Dans cet album, on comptera deux collaborations, une avec
avec Reddy Amici, un ancien transfige du groupe Viva la Musica du Feu, Papa Wemba, ainsi que Debordo Lee Koufa, un artiste DJ ivoirien. Eh ben, écoutez, cet album renferme mille et une couleurs, je dirais à 85% rumba. L'album arrive nécessairement à mettre tout le monde d'accord. Eh ben, entre mi-ange, mi-démon, ainsi que Retirada Carrière d'honneur, le temps pris par l'artiste pour réaliser cet album n'a pas été pour rien. Pourquoi ? Parce que de par cet album, dépendamment de certains dires de beaucoup, alors de beaucoup de fanatiques, c'est un album de confirmation qui pourra donner une place assez vaste à l'artiste héritier Watanabe pour mieux s'affirmer dans le milieu musical congolais. Je ne dis pas qu'il n'est pas aussi assis et affirmé, mais dépendamment de sa discographie, j'ai envie de dire. Donc voilà, cet album est des plus riches, tout simplement. On sent la recherche, on sent de par le texte carrément que l'artiste est allé loin pour puiser, on va dire, dans les entrailles de code qui définissent, j'ai envie de dire, la rumba congolaise, pour proposer de mélodies ainsi que de sons à la hauteur de son public. Au jour d'aujourd'hui, l'artiste héritier Watanabe est beaucoup plus adulé par ses fans du monde entier. Je dirais généralement par la jeunesse africaine et plus particulièrement la jeunesse congolaise, family. Donc voilà. Et sa musique arrive à réunir toute la couche de génération qui aime nécessairement cette musique qu'il propose. C'est que moi j'ai noté comme critique ne se pose que sur le générique. Le générique Retirada autrefois a été moins apprécié par rapport au générique mi-ange, mi-démon. Et ben, comme je l'ai dit tantôt, un générique est une chanson dansante conduite par les Atalaku, bien évidemment. L'album mi-ange, mi-démon démarre avec 129 632 streams seulement, uniquement sur Spotify en 24 heures, bien sûr. Donc voilà, famille, eu égard à ces quelques données qui m'ont permis de réaliser cette analyse comparative entre son premier album qui nous a proposé en 2016, déjà Retirada Carrière d'honneur, ainsi que cet album mi-ange démon, tout simplement, lui, héritier Watanabe. Donc voilà, famille, si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à me laisser de mon en commentaire. Et ben, on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Et ben, écoutez, dégustez l'album sans modération. Achetez l'album, ne vous contentez simplement pas de l'écouter sur YouTube. Achetez l'album, que ce soit en physique, soit en téléchargement légal, streaming et sur toutes les plateformes déjà. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous reviendrai encore plus tard, puisque un album a besoin de respirer, a besoin du temps, on va dire, pour déployer et faire montre de couleurs qu'il contient. Tout simplement. Eh ben, moi c'est Vima Oete, portez-vous bien, port de masque, distanciation sociale, famille, et surtout, prenez soin de vous. Joyeux Noël, me veux le meilleur à tous. On se donne rendez-vous dans un prochain live, soit dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.